c'est un forum donc, qui est dédié à l'emploi, principalement. Ça, sa 21e édition. Et bien, chaque année, en fait, il croît, il évolue en fonction et bien, des besoins de nos visiteurs. On a été très surpris du nombre de participants ce matin à ces ateliers, à ces conférences en particulier. Donc ces conférences qui sont aussi dédiées à ces futurs chefs d'entreprise qui ont besoin d'avoir des conseils et un accompagnement personnalisé. Donc c'est une première porte d'entrée à ce forum, puisque cet après-midi c'était plus consacré à la rencontre avec les entreprises au niveau des stands qui sont proposés dans la salle derrière nous. On travaille donc avec des partenaires hein, du territoire. On a préparé tout ça en amont et le but c'était vraiment de convier les personnes ayant un projet de création à cette conférence pour ensuite les retrouver l'après-midi dans un espace un peu plus confidentiel. L'année dernière, on avait 70 inscrits sur cette conférence. Cette année, on tourne à 150. Un atelier en plus après-midi, 40 personnes et 150 sur chaque thème. Donc oui, on peut dire un engouement puisqu'on a plus que doublé. S'est fait sur deux axes. Le premier, j'ai présenté une partie des aides au financement d'entreprise, donc comment demander de l'argent au niveau des banques et pour quel type de crédit et donc quel type de financement. Et ensuite, j'ai présenté ma structure, donc Initiative VAR, qui est une association d'aide à la création d'entreprise et qui propose du financement à travers des prêts à taux zéro, ainsi qu'un accompagnement pour monter le dossier et donc obtenir ce prêt et voir si le projet est viable. Ou s'il ne l'est pas, quoi faire comme modification pour qu'il le soit, et ensuite l'accompagner sur ses trois premières années de développement. On s'est rendu compte que pour aider les personnes en recherche d'emploi, il fallait les accompagner. Donc les accompagner comment? Eh bien avec différents ateliers. Un atelier qui vous permet d'être beaucoup plus à l'aise par rapport à un entretien qui va avoir lieu. Donc les simulations d'entretien avec des parrains qui sont là, qui accompagnent les jeunes et moins jeunes. On est ravis parce que les retours qu'on a sont plutôt positifs et les témoignages des jeunes et moins jeunes aussi.